Siècle. Un architecte du nom d'Emmanuel Herré a créé la place. Elle devait être la plus belle du monde pour Monseigneur Louis XV, roi de France. Moi, je suis là. Ne vous inquiétez pas, car j'en ai pris sa tête en 1831. Je suis au centre des histoires de la ville, mais aussi le point de rendez-vous des Nancéens. Jessie, oui. Faut que je te dise quelque chose d'important. Oui. Tu es la femme le plus important de ma vie. Oui. Sans toi, je ne serais rien. Et aujourd'hui, je voudrais savoir si tu veux bien m'épouser. C'est une blague. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, ta boîte, elle est vide. Mais comment ça se fait? Je comprends pas. T'es vraiment qu'un gros nul. Jessie, attends-moi, Jessie. Mais je suis perdu, mais où je suis? Ah, attends. Si je prends par là, je vais. Non, par là, ok. J'y vais par là. Non, c'est pas par là. Peut-être par là. Ouais. Non, je suis pas. Et puis je suis tout seul sur cette place, et toi, bien sûr, t'en sais rien où c'est le nord. Hein. Par là? Ok, merci. Hé, hey, toi, tu veux mon doigt? Wesh, mademoiselle, ça va? T'as pas un 06, mademoiselle Wolfflis? Hé, je suis là, hein. Et pourquoi tu me réponds pas? Tu me connais pas. Et dis-moi, je vais te... Merci, Stan. À 6 km, allez. J'y arriverai pas. Vraiment pas. Vas-y, lâche pas, je crois en toi. Allez. Ah, mais je te l'avais dit qu'il fallait tourner à gauche sur Saturne, tu sais pas piloter. C'est toi qui avais les commandes du vaisseau. Écoute, on a rendez-vous à 22h, il est 21h50, comment on va faire pour Yoda? Nancy. Ici, Nancy. Terminus, tout le monde descend. C'est quoi drôle l'autre là? Tu t'es pris pour qui? Moi je suis un Jedi. Tu crois quoi toi? T'es qui? Je suis ton père. Ouais, très drôle, on l'avait jamais fait celle-là. Allez, bye, vas-y, on s'en va. Ouais, allez. Hé hey, toi là, t'es qui toi? Mais pourquoi tu pointes du doigt tout le temps? Et puis pourquoi t'es tout noir? Et puis pourquoi t'es une statue qui bouge pas? Moi j'aimerais bien que tu parles parce que j'ai plein de trucs à te demander. Et pourquoi tu fais toujours ça? Pourquoi tu montres qui là? Oh, tais-toi, je vais te raconter. Mon doigt a conduit à un trésor caché. Pour le trouver, tu devras suivre ma direction vers une terrible forêt. Tu défieras le dragon rouge à points verts, et dans le château, tu trouveras un coffre contenant le trésor. Dans ce trésor, il y a plein de bonbons, de consoles de jeux et tout ce que tu désires. Tu seras alors le plus heureux des enfants. Eh ouais, tu t'es bien mis le doigt dans l'œil. Un secret, c'est un secret, et il restera bien gardé.